Nous voilà rendus au parc d'attente du Vigan, au lieu du rallye des Cévennes, Chantal. Ah, et le Vigan. Un endroit que tu connais bien. Ah, je connais par cœur. Pas grand-chose qui a changé depuis mes derniers passages. Donc, c'est vraiment les hauts lieux du rallye. Les routes sont hyper sinueuses, très étroites, assez piégeuses. Donc, je pense qu'on va bien s'amuser. Est-ce que tu crois qu'on va s'en sortir? On va s'en sortir, bien sûr. Aussi bien que ce matin? Ben oui, t'inquiète pas. Je te fais confiance, de toute façon, c'est toi qui donnes le tempo. Et pour te donner une idée de ce tempo, on a 42 moyennes à tenir. Ce qui est assez bas, ce qui nous promet une spéciale avec beaucoup de dénivelé. On espère que notre Opel GT arrivera à relancer, mais elle est vaillante, on a confiance en elle. La journée commence à être longue en plus. Oui, hein? On a eu 4h30 de sommeil cette nuit, donc ça commence à piquer les yeux sérieusement. Et c'est pas fini. C'est pas fini, on n'est pas arrivé au pont du Gard, mais on compte bien y être. Ouais. Voilà. Après une étape à Les Denons, tu connais, hein, c'est chez toi. Oui, je connais assez bien le circuit de Les Denons. Maintenant, c'est un peu comme à Manicouré à Charade. Il faudra gérer le trafic parce que c'est un circuit qui est moins long et plus étroit que Charade ou Manicouré. Donc ça va faire beaucoup de monde sur la piste. Mais on vous donne des nouvelles très vite. On vous retrouve sans doute après Les Denons. Arrivé au pont du Gard, journée éprouvante. T'as l'air crevé. Ah, parce que toi, t'es pas fatiguée peut-être? Jamais. Jamais. On est mort. On est morte, mais on est contente. Notre petite Opel GT a super bien tourné, mais elle a besoin également, comme vous le voyez, de quelques petites vérifications. La journée a été une fois de plus intense, un départ matinal de Toulouse. Jusqu'ici, donc au pont du Gard, à côté de Nîmes. Comment ça s'est passé? C'était super, on a passé une super journée. Ouais, de très très belles routes, notamment le cirque de Navacelles. Et de très belles spéciales, deux spéciales routières. Routière. Et alors? Eh ben, c'était pas mal. Alors, ce matin, on a démarré du côté de Toulouse, Mazamé, etc. Cet après-midi, c'était du côté du Vigan. Et puis finalement, on est atterri à Les Denons. Donc sur trois courses dans la journée, on a deux victoires de groupe. Donc c'est vrai qu'on est plutôt contente de nous. On remonte au classement général et on est vraiment ravis. Et tout se passe bien et on vous donne des nouvelles dès demain matin. Et surtout demain soir au Castellet, ce sera l'arrivée. Et on espère que la journée de demain se passera comme les quatre premières, ça roule vraiment très très bien. Voilà, c'est magnifique, encore 450 km de parcouru aujourd'hui, dans des beaux paysages, et c'est vrai que c'était une belle journée. On a eu très chaud par contre. On a eu très très chaud, je pense que ça se voit. Voilà, on va aller prendre une douche. À très bientôt.